Je décide de mettre en place un comité au sein de la primature qui va travailler à la réorganisation de la problématique liée, toutes les problématiques liées à la question de la sécurité alimentaire, de la nutrition. Et il nous faut aller vers quelque chose de plus formel qui permette, aussi bien sur le plan structurel que sur le plan conjoncturel, mais je pense que le structurel est le plus important parce qu'il permet d'anticiper et de parer à beaucoup de choses, réduire un peu les risques de sorte à ne les faire dépendre que peut-être des catastrophes naturelles et non pas des questions de production. À cet égard, Monsieur le Premier ministre, premièrement, engage le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en rapport avec le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage à procéder au plus tard, le 30 septembre 2024, au recensement exhaustif des agriculteurs et éleveurs exposés à des risques d'insécurité alimentaire dans certains départements du nord du pays, Podor, Louga et Linguère, de l'ouest, Tivavone, du centre-ouest, Diourbel et Bambey, et de l'est, Kidira. Il invite le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage à procéder d'ici la fin de cette semaine à une seconde distribution de semences à cycle court au niveau des 10 départements pour minimiser les impacts sur les revenus des paysans concernés par les pousses pluviométriques et les autres aléas climatiques sur les cultures.